Il lui arrivait quoi au gars là? Bah, il est passé à travers la vitre de sa bagnole. Attends, la voiture là-bas là? Bah, oui, la voiture là-bas, oui, pourquoi? La voiture avec la croix gammée là? On dira qu'on est arrivé trop tard. Allez, on va repartir. On lui roulera dessus avec le camion, on part. Ouais, bonne idée. Tu peux me passer le défibrillateur s'il te plaît? Faut qu'on le fasse repartir là. Oui, mais le défibrillateur, je l'ai laissé dans le camion. Eh ben, va le chercher! Par contre, c'est pas moi qui ai les clés du camion. Putain. Alors, surtout, tu t'énerves pas, mais je crois que j'ai fait tomber les clés dans le caniveau. Quoi? T'es sérieux, là? Bon. Alors, qui c'est qui lui fait le bouche-à-bouche, à lui, là? Bah, c'est toi le nouveau. Donc moi, je vais le masser, puis c'est toi qui vas lui faire le bouche-à-bouche, hein. Oh non, mais d'accord, mais... Pourquoi on a toujours là, des mecs sales ou alors les gros barbus, là, les genres vikings dégueulasses? Jamais des filles super canons. Ah mais si, ça arrive. Mais à ce moment-là, je serai avec le smear sans toi. Allez. Bon, ne vous en faites pas, monsieur, d'accord? Tout va bien se passer. Voilà, il se passe quoi, là? Ah mais il est trop beau! On peut lui faire du bouche à bouche, allez. Mais non, tu vois bien qu'il a juste une jambe cassée. Oh mais chut, tu connais pas, toi. Bon bah allez, ça y est petit, tu peux la tuber. Non mais vous foutez quoi là? Bah tu vois bien, l'interne il est en train de d'intuber le patient. Non mais ça d'accord, mais il est mort le gars. Bah oui non mais d'accord, mais lui en même temps je lui fais pas confiance. Hein. La dernière fois pour s'entraîner, il a essayé sur une pastèque, il l'a fait exploser. Oh non, bon, maintenant je le laisse plus faire. Hein. Alors la petite madame, on a eu un petit accident de voiture. C'est pas très beau tout ça là, madame. Si on n'intervient pas vite, vous risquez de décéder, vous comprenez ça? Ah oui, par contre, c'est 300 euros l'intervention. Ah oui, bah oui, c'est ça la médecine moderne. Ah, en même temps, à l'hôpital, on n'a plus d'argent. Donc forcément, on arrondit les fins de mois comme on peut. Et oui. Du coup, par carte ou par chèque, madame? Il est salement amoché, lui, hein. Ah oui. Par contre, je me posais une question. Tu vois la caravane là-bas? Je me demande si c'est pas la sienne. Merde, on n'entend pas. C'est vrai qu'il a un petit air de... Ouais. Tu sais quoi? Remballe le matos avant que le reste du campement arrive. On pensera à fermer les portes du camion, hein. Bon, allez, concentration. Peut le faire, peut le sauver. Donc on va aller faire un massage cardiaque. Donc toi tu masses, moi je fais... Oh, tu m'écoutes? Toi tu masses, moi je fais le bouche à bouche. On intervertit toutes les 2-3 minutes. Et ça devrait le faire. Allez, allez, mais allez! Je veux bien, mais je suis l'ASH. Qu'est-ce que tu fous là, alors? Vous êtes parti avec le camion pendant que je le nettoyais. Ah, c'est pour ça que c'est plus propre que d'habitude. Franchement, là, t'en penses quoi, toi? Bon, je pense que c'est bon, ce coup-ci, hein. Elles sont assez fraîches, hein. Allez. Santé. Santé. Alors? Ah, si, elles sont bonnes, c'est vrai. Par contre, est-ce que t'as pensé à prendre la bouffe? Ah oui, c'est dans le camion, sur le brancard. Ah ouais, mais c'est dégueulasse, il y a un patient dessus. Ah non, je l'ai laissé sur place, fin du service, c'est problème de quelqu'un d'autre, hein. Ah bon? En plus, honnêtement, j'avais pas envie qu'il foute du sang sur les nuggets. Ah, logique. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bah là, j'ai bien là. Là, je dois lui faire. Ah putain, on doit lui faire. Parce que regarde, je suis tout le temps en la peau, c'est jaune. Ça passe. C'est jaune ou blanc? Non, non, la ligne. Tu vois le camarade? Oh putain, mais non. Bon, il me faut des bisous. Bah tu vois. Va le faire repartir, putain de coussin. Ouais. C'est une boulette centipede. Alors, fais beaucoup.